Eh bien, what's up les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un live vide-grenier. Il est 6h17 et j'ai dormi 2h, j'ai la tête dans les fesses. Aujourd'hui, plusieurs vide-greniers, il y en a un très gros à plus de 300 exposants, mais sur la tête de ma mère, j'ai la flemme d'y aller. Et puis voilà, on va voir un peu ce que ça donne, et je m'attends à rien aujourd'hui. À rien du tout. Bonjour. Bonjour. Vous les faites à combien les jeux PS2? 5 euros. Ok. C'est donc là, il y avait le fameux Mario Kart double dash à 5 balles. Il y a une Wii U, dès qu'il y a une Wii U, ça demande aux bagnoles. J'avais testé. C'est quoi ta caméra là? Bah t'as ratissé quoi? T'as acheté juste une GameCube? La PS3. Et puis ouais, une GameCube quoi. Là, tu peux bien? Ça va et toi après? Bah, toujours. Ouais, celui-là qui avait déjà été essayé par le joueur du grenier, je crois, dans le bazar du grenier. Vous en avez d'autres ou vous avez que ça? Non, ah ouais, caméra. Mais c'est vraiment un méchant, on va dire ça comme ça. Je sais même pas non plus. Bonjour. Vous la faites à combien la Xbox? La Xbox avec la Kinect, c'est ok. Toi, je recherche que je sais que tu recherches, on va y arriver. De quoi? Une Xbox. Donc, ouais. Est-ce que vous feriez un jeu à part ou pas? Et vous le feriez à combien? Ok. Oh, il est tout propre. C'est qui a négocié son encyclopédie? C'est l'exercice qui va arrêter. Ah, peut-être pas à 5. Tu vois, et parce que je veux juste te faire chier, je lui donne 3 au lieu de 2. Merci. Tu vois. Merci. Vas-y, tiens. Bah, moi, je sais que je prendrais pas parce que tu me connais. Mais j'ai fini à prendre un produit qui marche quand même. Oui, bah ouais. Ah, voilà, il y a eu un mec qui a chopé une Wii U à 45 et les jeux à 20. Bon bah Mario. Ah ouais? Ah merde quand même. Donc voilà. Après je sais pas si le mec qui l'a pris il était collectionneur ou pas, donc on verra. Tiens, ton sac. Allez hop, on s'en va sur un autre vide-grenier. Bien les trucs. Moi au départ j'en voulais 5, j'ai ça à 2 euros pièce le bordel. Combien? 1 euro. Bon, même 50 centimes pour. Par contre celui-là non. Celui-là c'est 2 euros. Okay. Vous savez il y en a combien ou pas? 2 euros pièce. Vous savez pareil, combien? J'en avais plein et j'en ai déjà plus. Je collectionnais les figurines, les trucs de catch, tout ça, et c'est bon, j'arrête. 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. En fait, 30 par 2. 60, ouais. C'est un départ, vous avez vu le prix que j'ai vendu? Ouais. J'ai vendu 8 euros, mais ça prend de la place. Même à 50, j'ai parti à carton. Ça va? J'hésite. C'est de l'achat compulsif, mais je sais même pas où je vais les foutre. Ça, c'est pas mon problème. C'est vrai. Ah, là, parfait. Parfait custo là. Ah, il y a même. Ouais. Hey ouais. Il y a même le décapsuleur. Il y a le décapsuleur, ça s'est offert. C'est ça qui est énorme. C'est ça qui est énorme. À mon avis, tu vas te faire plaisir.
2 € le lot. Eh bien, what's up les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour vous présenter, allez, je suis en bancal gros, pour vous présenter les achats de ce vide-grenier. Pas beaucoup d'achats, mais du très bon achat. On va commencer par Sonic the Hedgehog sur 360. Je n'ai pas encore testé, mais je peux vous dire que du bien. Non, réellement, voilà, je suis fan aussi de Sonic, ce qui fait que je fais une dédicace à G Retro Gaming, ce qui fait que je l'ai payé 3 €, que je trouve pas ça très cher, et il faut vraiment que j'essaye voir un peu ce que ça donne. Je sais pas si ça va être super bien. Les gens qui l'ont déjà testé, dites-moi en commentaire si vous l'avez kiffé ou pas, et s'il est bien, voilà. On va continuer par des cadeaux. Léonie m'a fait des petits cadeaux, je l'ai vu dans un vide-grenier. On va commencer par le Bart spécial Espagne. Alors, je sais pas si je l'avais, il faudrait que je regarde, mais je crois que j'avais Maggie, Lisa, Homer aussi en spécial Espagne. Et là, je rentre, peut-être, j'ai pas encore regardé, je rentre pour la Coupe du Monde 2010. Le Bart espagnol. Donc merci à toi ma petite Léonie. On va continuer, elle m'a offert aussi un pixel art. On va pas se mentir, il est moche. Non, je déconne. Il est très beau, enfin franchement je le trouve vraiment bien. Je sais pas si vous le voyez bien ou quoi que ce soit, mais je le trouve vraiment super méga. Et on peut même faire ma tête en même temps que... Non, en tout cas, Miss, je te remercie beaucoup, il est trop génial, il est trop... Par contre, il est vraiment souple, tu vois, il est vraiment... J'en ai un autre où il est vraiment plus dur, mais celui-là, il est vraiment souple. Alors, je sais pas si c'est les mêmes perles que tu utilises, mais en tout cas, voilà, il est vraiment super beau. On va continuer par quoi ? Elle m'a offert quoi ? Oui, le porte... le bloc-notes ! Effectivement, alors, je sais pas d'où ça vient... Mais elle l'avait dans ce petit œuf, gros œuf, on va dire ça comme ça. Alors je sais pas si c'est du chocolat, si c'est un Kinder ou quoi que ce soit, mais il suffit de monter un petit peu et on se retrouve avec un bloc-notes spécial Simpson qui date de je sais pas quand, mais on s'en fout. Voilà, c'est en fait Léonie, c'est la fille qui m'a fait offrir déjà la montre sous blister des années 1992, si je me trompe pas. Je te remercie, hein. Enfin, je t'ai déjà remercié, mais je te remercie encore. Donc, voilà le petit bloc-notes qui rentre dans la collection et qui est vraiment très très beau. Enfin, je le kiffe, franchement, je le kiffe. Je vais sûrement pas m'en servir comme bloc-notes, mais voilà, bah, c'est la collection, hein, voilà. Mais c'est vrai que, ah oui, bah, oh, le papier, il y a Krusty le clown dessus quand même, frère. Donc, c'est normal que je l'utilise pas. Et il y a aussi un stylo, Krusty le clown, je sais pas s'il fonctionne, je sais pas si, parce que, ah oui, il fonctionne, dedans c'est des crayons, donc il fonctionne, et puis voilà, merci à toi Miss, oh, j'ai plus de voix, enfin je saigne de la dent. Donc, on va continuer par, oui, effectivement, les 30 vaisseaux Star Wars pour 50 €. Alors, j'ai totalement hésité à les prendre, parce que 50 € c'est quand même un prix. J'en fais pas de base la collection des vaisseaux Star Wars, je me dis, ouais, allez, vas-y, t'aimes bien Star Wars, s'y va, ça fait plaisir quand même. Donc, j'ai pu en rentrer, comme je vous dis, 30, ils étaient en très mauvais état, enfin, ils étaient surtout très sales, il y avait des boîtes qui étaient pétées, etc., etc. J'ai pu essayer d'en rafistoler quelques-unes. J'ai pu aussi les nettoyer à l'extérieur, mais il faut aussi que je les nettoie à l'intérieur. Mais voilà, maintenant c'est tout propre, et c'est très encombrant. Mais ce qu'il y a plus encombrant encore, c'est 2 figurines que j'ai pu acheter à un ami pour 20 € les deux. On va commencer par Atlet, Star Wars de l'épisode 2, voilà, très grand, très très grand, voilà, très très grand, très très massif, content, voilà, content. Non mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment très très beau. Et c'est vrai que bah les vaisseaux Star Wars, ça prend de la place. Mais bon, bah ça aussi, ça prend de la place. Ça prend vraiment beaucoup de place. Il faut, je sais pas, je crois que je vais agrandir la Gimeno. Je vais péter un mur. Je vais en mettre dans le salon, dans la salle à manger, dans la cuisine. Dans le mec, il va en mettre partout. Non mais oui, effectivement, à un moment donné, on va arriver à en mettre vraiment partout. Ce que je veux pas déjà de base, c'est en mettre partout. Voilà, j'ai 2 gaming rooms qui sont quand même assez conséquentes, donc voilà, mais voilà, mais voilà. Nous allons continuer par cette grande figurine de 60 cm de Alien, qui date de 2003. Je remercie énormément aussi Archeo Toys et tous ses potes, Monsieur Toys, et puis je sais plus qui d'autre, qui m'ont aiguillé un petit peu sur la nature, de où ça provient. Alors ça provient de Mark Fallon, et ça date de 2003, figurine, très grande figurine d'Alien. Voilà, vraiment super méga méga belle. Franchement, je la kiffe. Hop, vous la voyez un petit peu en image, mais là, je pense que c'est mieux que je vous la montre comme ça. Et c'est vrai que elle est vraiment très très belle, elle est vraiment très impressionnante.
Voilà. Elle est badass, franchement, elle est vraiment badass. Voilà, je sais pas comment vous la montrer parce que effectivement c'est très grand en fait. Par la même occasion, alors il y avait un diorama avec un autre. Je vous mets la photo maintenant. C'est dommage, je n'ai pas pu récupérer ce diorama. C'est vraiment dommage, mais si je le retrouve un jour ou l'autre, eh bien pourquoi pas. Donc les amis, c'est fini pour nous. Et ouais, c'est très rapide, hein, c'est très très rapide, mais c'est fini pour nous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être du lourd. Oh ouais, les deux prochains vide-greniers là, les deux semaines qui arrivent, vous allez voir, il y a du lourd, frère. Il y a du lourd de chez lourd. Et je parle pas de polo. Lol. MDR. Allez, protégez-vous, ne faites pas l'amour. Ciao.